Coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos et on se retrouve pour un nouveau let's play dans l'univers incroyable de J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et ici on s'attaque plus particulièrement à la série Le Hobbit Lego. Vous vous souvenez que normalement que la dernière fois, le dernier let's play en date du Seigneur des Anneaux, enfin du moins dans l'univers de la Terre du Milieu, c'était justement le Seigneur des Anneaux Lego. Et aujourd'hui on s'attaque donc au Hobbit Lego. Oh quel incroyable En même temps, nice. Et donc sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Cette fois, par contre, c'est une partie totalement... ce sera totalement une découverte pour moi parce que... contrairement au Seigneur des Anneaux Lego que j'avais déjà pu tester avant, le Hobbit Lego, je ne l'ai jamais testé. Donc on va voir ce que ça va donner du coup. Je suis absorbé par les... par Bilbon qui fouille dans son truc. Donc on va je vais découvrir avec vous ce jeu que j'espère aussi bien que le Seigneur des Anneaux Lego d'ailleurs. Je me fais pas trop de soucis pour ça, mais bon. On est parti donc pour cette merveilleuse ce merveilleux jeu. J'espère. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Del, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor, place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Tranduil. Monseigneur, notre roi souhaite que vous supervisiez le travail dans les mines de ce jour. Alors, toujours un véritable plaisir de revoir... De cette ville fortifiée, ah, bah du coup... au sein même de la montagne était née. Ah merde! Quoi? Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça fonctionne pas comme... Bon bah alors attendez, ça fonctionne pas comme le... Action H? Ça fonctionne pas comme le cerf. Merde, alors du coup je pensais moi que ça fonctionnait comme le cerf des anneaux, mais... Pas du tout en fait. Sauter J. Ah waouh! Ah oui, d'accord. Voilà. L'action c'était H, ouais c'est bien ça. Changer de personnage c'était C me semble-t-il. La vache! Alors ça du coup... Merde. Reviens à ton... Non. Alors du coup... Mais... Alors attendez, comment ils appellent ça du coup? Parce que je suis en train d'essayer d'attaquer, mais... Alors du coup... Faut d'abord que... Le spécial. Ça doit être ça du coup. Voilà. Ok. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, peut-être que je peux pas attaquer. Peut-être ça le délire. Je suis en train de changer des trucs, mais ça se trouve, y'a rien à faire. Bah, attendez, si, je suis obligé. Déjà ça me pose problème. Mais si c'est obligé, il est... C'est un jeu Lego, on est obligé de détruire. Mais attendez, j'ai galère déjà dans les premières secondes, j'ai l'impression qu'il y a un délire. Action. C'est quand même pas H. Oh, mais c'est les actions. Oh, je suis...
Oh là là, je suis désolé. Voilà, donc du coup maintenant, voilà. Donc, entrée, voilà. Sauter. C'est espace. Spécial. C'est H, normalement. Défilé de personnages. Ouais. Ça par contre. Ouais mais du coup je vais me faire avoir à chaque fois. Bon alors, attendez. Parce que du coup. Ouais c'est ça. Ça va jamais. Si je fais ça, ça va jamais. D'accord, spécial. Je ne sais plus. Changer de personnage. Du coup c'était C. Donc l'action. Voilà. Et du coup faut que j'accède comme ça. Et du coup. Comment on va faire la pause? On va la faire comme ça. Et le défilement de personnage, on va le faire comme ça, voilà. Allez hop. Est-ce qu'on a enfin... Merde. Oui. Ah, donc du coup, est-ce qu'on peut détruire? Oui, voilà. C'est un jeu Lego, donc on peut détruire. C'est bon, je retrouve mon truc. C'est génial. Alors. Du coup, j'ai perdu plein de... Pas mal de temps. Alors du coup, je vais également peut-être voir pour le son... Voilà, on va peut-être baisser un peu. Voilà, en 8, ça pourrait être bien. Alors, que penser pour l'instant? Pour l'instant, je suis plutôt ravi de revoir le... De revenir dans cet univers. Vous m'avez bien manqué. Donc, toujours les petites cinématiques assez marrantes, assez drôles. Et enfin, du coup, c'est... Erebor, et oui, Erebor, la cité naine. Il va falloir que je mette combien de coups pour prendre toutes les pièces. Déjà, bon. Je retire toutes les richesses de... Oh merde, je suis désolé, garde. Je retire toutes les richesses de mon père, du coup. Voilà. Très bien. Il s'incline. Erebor, du coup. Une belle cité naine. Comme on les aime. Il est vrai du coup que, parce que du coup, bon bah qui dit... Alors je ne sais pas par contre si je peux me permettre de parler longtemps. Je sais pas du tout. Normalement oui, je peux me permettre de parler longtemps. Et bon, on viendra sûrement pour parler tout ça. Mais c'est vrai que quand on parle du Hobbit, bah du coup quand je parle du jeu Lego Hobbit, bien évidemment je peux pas faire autrement que de donner une référence au film de Peter Jackson sur le Hobbit justement. Et c'est un film qui a été quand même, de vous à moi, c'est quand même un film qui a été... Qui a été un peu critiqué parce que voilà, il y avait certaines choses, bon, pourquoi pas. Mais moi franchement c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu parce que on voyait les armées naines. Et ça franchement c'est un truc qui m'avait vraiment manqué dans le Seigneur des Anneaux, c'est qu'on voyait pas du tout les armées naines. Et enfin le Hobbit est arrivé, donc du coup. Alors, maintenant. C'est... Oh, la roue libre. Ok. Et donc, train. Ok. D'accord, je vais faire ça. Donc ça, c'est train. Donc c'est le père de Thorin, du coup. Okay. Et du coup, voilà, c'est vraiment le Hobbit. C'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce film, en partie. C'est parce que tu pouvais vraiment voir... On voyait les nains. On voyait l'incarnation des nains et tout ça. Donc c'était vraiment génial pour moi. J'avais vraiment eu envie de voir. Alors les elfes, d'accord, j'avais adoré les elfes dans au gouffre de Helm. Et dans la... Pardon fils. Voilà, mais c'est vraiment les nains, c'était vraiment l'armée que je voulais voir. Bon après bien sûr il y avait l'armée du Gondor, mais ça c'était. C'est un peu l'armée. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, là je suis content de pouvoir incarner les nains et tout ça. Surtout que là pour l'instant Erebor est quand même pas mal fichu. Ils ont bien reproduit pour l'instant. Fort sympathique, je vais quand même pas m'attaquer aux gardes, c'est pas dommage. Donc voilà. Alors par contre, ouais, les touches ont un peu changé quand même depuis... On va reprendre train. Torin. Et ouais, les touches ont quand même pas mal changé depuis Seigneur des Anneaux. Ou alors c'est moi qui... Ça fait depuis trop longtemps que je n'ai pas joué au Seigneur des Anneaux. Lego, j'entends. Évidemment. Je sais pas, je suis un peu perturbé. Donc du coup, on va voir... On va voir ce que ça retournera pour les... Pour les prochains épisodes. Je sais qu'il y a eu un truc
Je sais qu'il y a eu des systèmes qui ont été mis en place pour jouer en, les, tous les nains de la compagnie en même temps, où ils ont pas mal d'interactions spéciales ensemble, donc voilà. C'est... Alors du coup, j'ai juste entendu ça, on verra ce que ça donne en jeu. Mais voilà, je me fais pas plus de soucis que ça, on dira. Oula, le petit freeze. Le petit freeze qui fait zizir, voilà, ça fait toujours plaisir. On continue. Ah du coup c'est un jeu Lego, donc voilà, la destruction c'est devenu un truc obligé, on dira, hein. Alors là je me rapproche du coup d'une salle avec des gardes. Bonjour les gardes. Ah, pète-t-il? Dégagé. Il me ferme la porte au nez. Je suis Thorin, écu de chêne. Je suis le fils de Thorin, qui était fils de Thor, hein, en haut. Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect? Alors, du coup... Ah oui, du coup, je m'en souviens, c'était V. C'était V. Ah bah tiens, bonjour. Ah, le cliché nain, quoi. Les mangeurs et les buveurs. Oh, miam miam. Bon alors du coup, ça va vraiment être un épisode fourre-tout. Mais du coup j'essaie. Je suis chiant avec ça, mais j'essaye quand même d'avoir un certain. Une certaine cohérence avec, avec le jeu Seigneur des Anneaux que j'avais déjà testé à la base. Comme ça, moi je me perds pas trop. Donc du coup ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc du coup. Ah les fameux. La fameuse séquence. Voilà. De la terre, de pierres précieuses taillées dans le roc, et d'immenses filons d'or courant tels des rivières à travers la roche. Donc voilà, c'est pas mal du coup, on a le... Alors pour l'instant, parce que c'était l'introduction au film déjà, mais ce qui est pas mal c'est que nous avons du coup... Est-ce que je peux détruire? Ouais, ça. On a les commentaires de Bilbon. Quand il fait ses... Quand il écrit son journal pour Frodon. Voici donc toujours les fameuses... Voilà. Les fameuses séquences où on est à plusieurs personnages. Ah, bah alors ça, je sais pas si on peut le détruire comme ça, tranquillement. Alors à mon avis on peut pas faire grand chose. Il y aura quelque chose à construire, on va essayer de faire ça. Hop. Ah, quelque chose me dit que... quelque chose me dit qu'on va retrouver quelqu'un qui fait du feu. Ah d'accord, je détruis le... Et ils s'en foutent, Royal, hein, bien évidemment. Je détruis leur matériel. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, je suis le roi. Je suis le futur roi, donc du coup t'as pas le droit de me dire des trucs. Voilà, superbe, bravo, GG. Ah, ah non, c'était juste un... Ok. Bah du coup, on va continuer à... Ah, alors, est-ce qu'on va voir les gros marteaux tomber? Est-ce que c'est une séquence où on va voir les marteaux tomber? Les deux gros marteaux du film, qui étaient quand même vachement impressionnants. Ah, c'est Bifur? Non. Merde, c'est Bifur ou c'est Beaufur? Je sais plus. Ah, avec les noms de nains, je me... Mais surtout les trois cousins, Bombure, Bifur, Beaufur, j'arrive jamais... Alors Bombure, oui, parce que c'est le plus gros. Mais alors Bifur, Beaufur, j'ai du mal à les différencier à chaque fois. Ah, j'ai une planche de bois, donc je vais pouvoir voir. Ah, va falloir que je ramasse... Ok, je ramasse du coup les planches de bois, d'accord. Ah, là-haut, du coup, on a la séquence, on a une première séquence du film. Tous les nains qui sont en tour... autour d'un minerai pour le forger. Ça fait plaisir de revoir des séquences du film. Ça fait plaisir de revoir, oui, du coup, des séquences du film du Hobbit. Parce que vraiment, moi, c'est vraiment un film qui m'a plu. Contrairement à certains. Qui ont bah, jugé, voilà, toutes les... Tout le baratin habituel. Pour l'argent, tout ça. J'ai pas franchement été d'accord avec eux, même si, bon, d'accord. D'un côté, pourquoi pas, on aurait pu... Ah, il y a un système de craft, du coup.
On aurait pu, oui, c'est d'accord, c'était peut-être pour l'argent, parce que voilà, mais non, pour moi, il y avait vraiment la volonté pour Peter Jackson de nous offrir la totalité du cycle de Tolkien au cinéma. Que ça plaise ou non aux autres, voilà, moi ça m'a plu personnellement, donc c'est le principal, pour moi, pour ma part c'est le principal, ça m'a plu, donc voilà, c'est... Je vais pas faire mon... Je vais pas faire ma fine bouche. Alors, ça c'est un mec qui dort, donc on va continuer. Alors, V pour emprunter les petits tunnels Lego. Oui, du coup, les fameux... Alors, j'ai quand même des... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un truc à... Alors, attendez. Parce que si je me mets là-dessus... Dépenser le rutin... D'accord. D'accord, mais avec ça, on fait quoi, du coup? Parce que si je prends ça... D'accord, donc... Donc là, j'ai utilisé des trucs pour... Merde, pardon. Alors, par contre, comment on fait pour se retirer? Du coup, ça doit encore être ouais, sur V. Donc, que j'essaye de revoir quand même comment ça fonctionne. D'accord, donc j'ai réussi à fabriquer quelque chose, mais je sais pas du tout ce que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, donc apparemment ça s'est revenu. Alors, on va essayer du coup. Alors, avec ça... Je vais voir ce que ça donne. Parce que là, du coup... D'accord, donc je dois récupérer tout ça, je pense. Ah merde, à chaque fois je vais me planter. Je dois récupérer tout ça pour forger un truc, je pense. Ah, c'est des trucs, c'est... Bah oui, il y a des... Hein. Je suis débile, il y a un petit point d'interrogation dessus. En runique. En rune, peut-être. Langage des nains. Alors du coup, système de craft du coup qui est totalement nouveau, parce qu'il me semble pas que dans le... Non, il me semble pas. Il y avait pas ça dans Science Anneaux Lego du coup. Donc ils ont rajouté ça. Ça peut faire plaisir. Voir comment ils ont... Voir comment ils ont préparé ça. Bonjour nain, je ne te connais pas. Donc j'ai 20 planches, je ne sais pas à quoi vont servir les planches. Toc, les étendards, ça aussi. Hop. Ça, encore. J'ai cru que j'allais j'allais tuer le nain. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors soit c'est de la chaleur. Mon personnage est recroquevillé, soit c'est la chaleur, soit c'est quelque chose qu'il supporte pas. J'ai pas fait... Ouais. On continue, c'est un jeu Lego, on continue de détruire absolument tout. Donc du coup, là on a des espèces d'émeraudes. Alors par contre si... Ok... Alors c'est pas ça qu'il faut. Donc du coup on avait... Un passage ici, on va l'emprunter. Ça va nous mener ici. Très bien. Alors du coup, il va falloir qu'on... Voilà, c'est les mêmes mécaniques que le Seigneur des Anneaux. Hop. Alors. Et du coup je vais pouvoir descendre. Bah c'est les lingots d'or justement. Voilà. Hop, je prends. Petite séquence toujours ponctuée par la musique de Howard Shore. Magnifique, comme toujours. Comme toujours du moins dans cet univers. Et alors ça, où est-ce que je le trouve? Des espèces de diamants. Où est-ce que je peux bien trouver les diamants? Ah merde, je me suis brûlé. Je suis con. Ah bah ils sont là, je suis débile. Oh mon dieu. Ils sont juste là. Et du coup le petit pointeur de quête. Donc je peux. En fait tout. J'aurais pu les. J'aurais pu collecter tout ça d'un coup normalement. Si j'ai bien compris. Et donc là, on va commencer à forger. Qu'est-ce qu'on va forger? Appuyez sur entrée espace machin pour remplir l'anneau de forgeage lorsque la lueur. Ah d'accord, ok.
Ah mais d'accord. Très bien, ça va, c'est pas trop compliqué. Tadam. Ah nice. L'habileté des nains était sans égale. Ils façonnaient des objets d'une grande beauté. Super. Incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Ah oui, super. Ah je la voulais cette séquence, ah je la voulais dans le jeu. Ah, ah je suis content. Et du coup on a forgé une clé pour voilà, la fameuse clé pour ouvrir la porte. Et on est reparti. En direction je suppose. Ah. Alors c'est pas ce que je pensais mais pourquoi pas. Oh la vache. Mais encore. Ça se détruit. Oh mais. Non. J'ai l'impression qu'on détruit encore plus de choses dans le Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux. On va passer son temps à récolter des choses. Alors du coup, lui il cherche une flûte. Très bien. Enfin une espèce de flûte. Il me semble pas que ce soit le. Il me semble pas que ce soit le chanteur musicien de la team. Ça me paraît bizarre. Alors du coup on va essayer de pas tomber parce que là je pense que sinon c'est la mort assurée. Ah alors ça du coup. Je sais pas si. Ouais c'est ça, tu peux. Le mec il. Ah bah ça. Bah là ta flûte. C'est... Alors là par contre les missions elles sont un peu. Tiens, ta flûte. Il est content. Ils ont repris la même danse que le Seigneur des Anneaux. Voilà. Nice. Le bon clin d'œil. Et du coup. Alors du coup voilà, on peut jouer ce personnage-ci. Alors je vais quand même récupérer les matériaux. Alors tu es qui toi? Ben c'est Beaufur, voilà. D'accord, ok, je comprends. Donc, je comprends le délire. Alors, Beaufur. C'est ingénieux. Enfin, ingénieux, c'est sympa, surtout. Très bien. Très bien. Bon, c'est bien, c'est qu'on comprend assez facilement, du coup, où on doit... ce qu'on doit faire. C'est plutôt sympa. Bon, on va continuer avec Beaufur du coup. Et sa belle coiffe. Son beau bonnet. On continue à récupérer des matériaux. On ne sait jamais. Ça va peut-être servir à quelque chose. Bah, à mon avis, si c'est là, c'est que ça va servir, oui. Est-ce que je le fais tomber? Non, je pense pas qu'on puisse le faire tomber. La petite collègue. Mais voilà, donc toujours pour revenir au nain et l'histoire du coup du Seigneur des Anneaux, le Hobbit et tout ça, je pense que c'est vraiment le point fort qu'a le Hobbit sur le Seigneur des Anneaux du coup. Parce que mine de rien, il me semble pas plus que ça que nous ayons une... On a bien eu du coup la Lothlorienne, mais à part ça, on n'a pas eu énormément le plaisir de voir plus que ça l'univers des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Et du coup, je trouve que Jackson s'est plutôt bien rattrapé sur le Hobbit, en nous dévoilant du coup pas mal de choses sur le Hobbit. Donc moi ça m'a fait plaisir. Oula. Ah oui d'accord, ça va être train. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la force qu'a le Hobbit sur le Seigneur des Anneaux. D'accord. Et là on a tué 4 nains. Voilà, c'est un peu ce qui m'avait manqué du coup ouais, dans le Seigneur des Anneaux. C'est qu'on voit, on voit pas. J'adore les elfes, de manière générale, les elfes dans les mondes de fantasy, c'est vraiment ce que j'adore par-dessus tout. Et j'étais peut-être un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas tant que ça la possibilité de. On n'accentuait pas plus que ça le côté elfique dans le Seigneur des Anneaux. Ce qu'on a plutôt bien appliqué dans le Hobbit justement. Alors ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors les planches de bois c'est bon. Ça c'est bon et ça c'est bon. Ah alors. Termine la construction Lego en trouvant les pièces qui manquent. Trouvez-les
rapidement pour recevoir un bonus pièce. Alors, très bien. D'accord, très bien. Comme ça. C'est sympa là pour l'instant. J'aime bien ce que ça donne. Donc du coup, on peut... Voilà, très bien. Et ça. On peut aller plus vite du coup. Je vais peut-être ouais, passer un peu quand même pour les séquences où... salut. Donc, construction rapide. Je sais pas si c'est... Faut rester... Voilà, faut rester appuyé du coup. Merde, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ça a l'air d'être ça. Non, oh merde. Oh, je me suis couché, je suis totalement gouré. Merde, bon du coup c'est seulement 12 000. Je me suis trompé. Dommage. Et là du coup... Ah merde, va falloir... Ouf, ouf, ouf. Ah, on n'a pas le temps de niaiser là, hein. C'est... on y va. Alors du coup, je ne sais pas si... Merde. Ah d'accord, donc c'est à moi du coup de gérer. D'accord. Donc il laisse vraiment une autonomie totale, ouais. Donc c'est moi qui gère avec. Du coup tout ça. Alors du coup. Il me laisse pas le temps de réfléchir, c'est. Hop. Il creusait toujours plus profond, loin dans l'obscurité. Et c'est là qu'il l'a couvert. Barkenstone. L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Thor une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendent okay. Un bruit semblable à celui d'un ouragan. Pardon. Balin, sonne l'alarme. Qui a-t-il? Un dragon. Un dragon! C'était un cracheur de feu du Nord. Cette ville des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. On va te voir. Borg était venu. Ah, on en a un qui vient de mourir. On va devoir défendre. Alors, ça doit être un truc de sauvegarde normalement. C'est bien ça. Et donc là, c'est. Donc du coup, c'est plus un. Ah donc c'est Balin, d'accord. Donc là c'est Balin. Et du coup ça va être à Dory. Ah oui Dory, vachement jeune là. De... Donc ça va être Dory qui permet... Voilà. Il va pouvoir s'occuper de ça. On va prendre Balin, il est un peu... Je sais pas. Il est un peu effrayé, je sais pas. Ah Smog il est... Et il est vénère Smog aujourd'hui. Alors, j'ai encore des matériaux à récolter. C'est peut-être le point qui va peut-être à la longue me saouler. Non, c'est la récolte de matériaux. Ça me pousse à toujours hein. Faire des allers-retours. Je sais pas. Pour l'instant c'est plutôt sympa. Ça change du moins du Seigneur d'Anneaux, donc du coup. Sympa. Et voilà, si j'oublie un matériel, je sais pas si c'est que si j'oublie un matériel, je sais pas si ça va être pénalisant ou pas du tout. Donc je préfère tout de même tous les ramasser. Il faut deux personnages pour casser en duo, appuyer sur V pour travailler en duo. Alors,
Alors. Ah d'accord, fais comme ça. Très bien. Ah oui. Ah d'accord, nice. Ok. Donc c'est le... Alors, c'était quelle touche déjà que ces genres de touches dans le Cervano, je ne sais plus. Oui, c'était pour lancer... c'était pour lancer Gimli, voilà. Et... Ah, très bien, c'est un arbre du coup qui l'a balancé. Très bien, donc du coup ça va être ça, ces jeux de duo. Très bien, d'accord. On va essayer de retenir. Hop. Donc là, il va falloir encore Dory. Hop. Donc j'espère que j'ai pas oublié. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc. Hop, on retire. C'est quand même des... Ils sont quand même... Là, on dirait vraiment des super-héros, quoi. Ils sont... C'est des petits... Des petits bonhommes qui sont capables quand même de faire pas mal de choses. Alors, du coup, ça, c'est une porte de mithril. Encore un petit... Un petit lag. Il faudrait peut-être que je travaille ça. Parce que bon, les lags, c'est pas... Donc là, on va encore besoin avoir d'un travail d'équipe, je suppose. Oula! Oulala! Il y a beaucoup de lags. Et là, on tue 49. Non, mais les travail en duo, mais c'est un truc incroyable. Allez, reste sur moi. Alors, on y va. T'en arrives. Chargé. Avec Dory sur le dos. Ça n'a pas suffi. Oh, dommage. Ce jour vit des morts aussi cruels qu'inutiles. Et voilà le roi qui s'en va avec son précieux. Ah ouais, donc du coup, on va s'approcher du flamme, ça brûle. Donc ça se détruit pas. C'est... ça se détruit pas, c'est déjà détruit. Alors je peux aller par là mais il n'y a pas grand chose. On récupère des matériaux. On construit pour Dory. Mais c'est bon, on a compris Dory. C'était toi le héros, voilà, tranquille. Hop, allez. Montre-nous ta force surhumaine. Ça va être à construire. D'accord, ça va être du coup le fameux truc. C'est pour ça qu'on va avoir besoin du marteau. Ouais. Voilà, écartez-vous. J'ai bien foiré. Écartez-vous. Alors, par contre, ouais, du coup, on est parti. Je sais pas si on peut détruire ça, non. Allez, let's go. Cette salle d'or, what? C'est encore plus impressionnant quand on, quand on la voit d'ici. Alors, quelques matériaux. On sait pas si ça sert. Je pars du principe que ça va servir. Hop hop. Ah, je suis désolé Dory. J'ai pas fait exprès. Ah, mais toutes ces ressources, ça va vraiment nous servir ?
Oh, hache. Alors, du coup, ça va être Adori. Oui, parce que je vois du coup où il va falloir y aller. On va faire tomber la statue en or sur sa tronche. Voilà. Hop. On y retourne. Le niveau cambrioleur est atteint. Alors du coup il y a les lingots. Je sais pas si on peut... Ah. Ça va encore être Adori. Est-ce qu'on peut aller par là? Wow wow wow. Ok, on peut pas aller par là. C'est dangereux. Non. Ah 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 ah. Au secours. Putain. Alors Dory. Ah d'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est vraiment... D'accord. Et du coup, Balin en fait quoi? Balin, il reste en arrière. Désolé. Sorry. Alors, très bien. On récupère quand même les richesses avant que le dragon ne le récupère. Et on se casse. Non? Ah oui, on se casse. Salut, en bas. Wow, 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 wow. Wow. Je me suis bien fait des zinguer. Eux aussi d'ailleurs. Ah j'ai loupé. Non. Ah j'ai loupé le bonus. Ah mais je suis pas fort à ça. Erebor était perdu. Jackson. Tranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna, et jamais il n'oublia. Et nous avons terminé le plus grand royaume de la Terre du Milieu. L'Erebor. Alors, Thorin jeune, ouais. Alors on va recevoir pas mal de Traïn. Alors pourquoi il a un espèce de... Ouais, Balin jeune aussi. Ah, cette musique magnifique. Tror. Un garde nain en armure. Et des nouveaux personnages qui sont possibles. Donc du coup, on les a tous eus, ouais, maître cambrioleur, c'est bien. Donc les mini-kits, j'en ai vu passer un devant moi. Événement de la Terre du Milieu déverrouillé. Des événements, c'est quoi ça les événements? Alors c'est surtout ouais, vers Obicourt. Alors ça j'en ai zéro. J'en ai un? Ah oui papa, oui j'ai gagné le niveau du coup. Très bien, très bien. Alors du coup je ne sais pas... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc si c'est exactement comme ça dans un autre... Si je fais continuer du coup, je vais avoir ceci, ouais. Ah pas mal. C'est beau, c'est très beau. Ah c'est bien beau c'est ça. C'est là, ouais, mon cher Frodon, que je fais mon entrée. Dans un trou vivait un hobbit. Eh bien voilà messieurs dames, c'était du coup le premier épisode de du Hobbit Lego. J'espère qu'il vous a plu. Ah c'est Sam. Et ça c'est Frodon du coup, ouais. Ah ça fait plaisir de les revoir.
Et bien on se retrouvera pour un prochain épisode, je pense. Oui, bah du coup on va continuer le let's play, ça serait quand même débile de ne pas continuer. Ah, toujours cette possibilité, ouais, de... d'incarner, de se balader librement en terre du milieu. Du moins j'espère qu'on pourra continuer à, comme pour le Seigneur des Anneaux, à se balader librement en terre du milieu. Parce que c'est vraiment un point qui m'avait beaucoup plu. Donc on verra cela pour le prochain épisode. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis, à qui, au revoir tout le monde.